Et salut à tous, c'est Tank, et donc aujourd'hui on se retrouve pour l'épisode 11 sur XCOM Enemy Within, Enemy Unknown, pour le DLC qui a l'air rajouté dessus. Et donc aujourd'hui on va continuer un petit peu tout ce qu'on était à faire. Il me semble qu'on a vu une petite mission qui était en cours. Je vous rappelle la dernière fois qu'il s'est passé, on avait une mission d'Exalt, malgré avoir perdu deux hommes. On a quand même fait une très très belle mission, ce qui est plutôt cool. Parce que c'est cool, opération secrète. Quoi encore? Oh là. Là 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 là. Liste des soldats. Je suis à 15, ça c'est bon. Donc il est arrivé un commando sniper. Je vous rappelle que niveau sniper, on est vraiment dans la merde. Donc on va bien voir ce que ça donne. Parce que là, ouais. Niveau sniper, donc qu'est-ce qu'on a? On a. Lui, on a. Bouf, c'est la seconde classe, donc en gros il a rien fait non plus. Ouais, donc il va falloir que je fasse gaffe. Faut absolument, absolument qu'il bosse là-dessus. Ok. Bon, et ben on est parti dans notre mission qui va être un enlèvement. Alors, l'attaque de la base, pour moi, on va attendre un petit peu. Déjà que j'ai un sniper à peu près un peu mieux. Quels sont les objectifs? Attaquer la base, tout simplement. C'est peut-être bien dire que je la fasse. Il y avait l'enlèvement avant, je crois que j'avais un enlèvement justement où il y avait un sniper. Voilà. Donc on partait là-dessus, c'est ce que j'avais dit. Donc on est parti pour essayer de récupérer le sniper et tester après. On fera le prochain épisode, du moins. L'autre mission. Alors, on va voir pour faire une grosse équipe. Il va me falloir donc un grenadier. Grenadier, on part directement sur Hulk, qui en plus, je vous rappelle, modifié. Je ne sais plus quelle modification exactement je vais donner, mais on part sur Hulk. Il me faut un sniper. On va mettre le sniper ici. Pas le choix. Niveau armure, t'as quoi d'ailleurs comme armure toi? Bah, tu n'avais pas la carapace, donc tu vois, c'est que la carapace, ce sera bien mieux. Ah voilà, donc Hulk ne pas Zang. Je vais te retirer ça. Je vais te retirer ça. Voilà. La poursuite exalte, non. Hop, il va falloir deux commandos. Nitro, tu vas partir plus de ce côté là avec avec le sniper, parce que j'ai pas du tout confiance au sniper. Il faudra un deuxième commando. Il y a plein de commandos là. Il y a plein. Il y a partout. Mais que des secondes classes. Tu n'as pas l'arme qu'il faut. Hop, retour au briefing. Retour, pas recherche ingénierie pour les chiens. On va faire l'arme qu'il faut. C'est un laser diffusant, hop. Toi je t'enlève, toi je t'enlève, toi je te modifie. Et après, il va me falloir logiquement des sapeurs. C'est Saturne qui est prête et je viens qui en OP secrète et j'ai Tommy Adams, nouvelle recrue qu'on va aller envoyer là dessus. Alors hop. Pourquoi n'as-tu pas la sixième armure? Parce que Bessie Mikey est passé dans le coin. Comme grenadier, dis donc. Voilà. Et on lance la mission. Déjà 5 minutes de perdu. Je vous jure. Je vous jure, franchement. Déployez-vous, Strike One. Alors, on va la jouer vraiment cool, soft,
On a reçu plusieurs appels de détresse venant d'Australie. Qui va arranger déjà beaucoup. Faites bon voyage. Les habitants de plusieurs grandes villes dans le monde continuent d'être la cible d'enlèvements extraterrestres. Nous devons nous déployer dès que possible et régler ce problème. Alors ouais, le pont m'arrange énormément parce que c'est un vraiment un emplacement que j'apprécie. Parce que c'est une ligne droite. Pas vraiment attaqué par le pas derrière. On attend vos ordres. Compris, Rapace. Je vous reçois 5 sur 5. Strike One a le feu vert pour se déployer. Alors, commando. Hop. Donc logiquement, ça devrait le faire. On devrait pouvoir récupérer le sniper qui va être dans cette mission. Je t'ai envoyé la bande sprint, ça devrait le faire. Ouais. Le sniper, je t'envoie la bande sprint. Les yeux sur la cible. Les aliens semblent avoir équipé le sectoïde que nous avons vu plus tôt avec une sorte d'armure mécanique. C'était sans doute dans le but d'améliorer sa puissance en combat. Soyons prudents. Alors, c'est très bien ça. Lance la fumigène ici. Nuage de fumée. Ah oui, ils ont eu peur l'autre jour quand ils regardaient mon épisode 10, je crois, ou le 9. Et à un moment j'ai jeté une fumigène, il a cru que j'en suis une grenade. Bon, t'as avec là. Je rejoins la position. Je sais qu'il y a des ouais, des allumettes de l'autre côté. Ça devrait le faire. Alors, toi tu avances, tu vas te prendre un coup tout de suite. 7 de plus, c'est plutôt bien ça. Ah, vous avez dû entendre un petit son, c'était Origine. Je sais que j'ai une mise à jour qui était en cours. Surveillez vos flancs. Tu ne pourras pas tirer, ce qui est plutôt bien. Et toi, tu vois, tu devrais pouvoir prendre le contrôle sur lui. Tir de couverture. Je crois qu'il n'a pas raté. La cible en serait bien une roquette hein, mais il y a la mêlée. Ouais. Toi tu vas stationner très rapidement. Toi. Non, ça doit être un bug entre guillemets. Alors toi, s'il te plaît, tu... Ah, tu as que lui. Pas grave. Ça, c'est bon. 40, c'est toujours ça de prix. C'est ok, parce que je sais qu'il y a plus près. Comme lui, par exemple. Ça ne t'a rien coûté en plus, alors tu restes ici en vigilance. Voilà. Lui il va avancer ici. Enfin elle. Et toi tu vas aller la soigner. Je ne te laisse pas le choix. Il sera remis en moins de 2. 6 points de vie, après 6. Mes médicaments ont été améliorés. Oups, ça je l'avais pas vu. Position confirmée. Très bien les commandos en premier, hein, franchement. J'avance. J'y vais. Pouh,
en tout cas, j'espère que vous allez bien. Pour le moment, la mission se déroule bien, ce qui est plutôt cool. Même si je vous avoue que j'ai quand même peur de la suite. Et j'espère toujours que cette série vous plaît toujours autant. Parce que c'est vrai que là, pour le moment, j'ai fait quand même pas mal de bourdes par mon franc. Bien, commandant. Donc là, c'est cool. Alors, sinon, si y en a, parce que je vais tout simplement. Vous l'avez peut-être vu, je l'ai peut-être tweeté hier. Mais je vais le dire dans mes vidéos cette semaine. Sauf dans celle de Minecraft, parce qu'elle a déjà été tournée. Pour ceux qui suivent aussi ce Roller Coaster Tycoon, vous avez vu que depuis un petit moment il n'y en a plus. C'est pour une simple et bonne raison, c'est que déjà je fais déjà 4 vidéos semaine pour le moment. Ça roule. De XCOM à Minecraft et un Zelda, donc c'est déjà. C'est pas mal de vidéos là cette semaine. Et rajouter un Roller Coaster, ça ferait 5 vidéos. Je suis pas un gros youtubeur, hein. Ouais, j'ai que 450 abos. J'en aurais plus certainement que je le faisais, je le ferai. Non, donc pour le moment, Roller Coaster va être un petit peu en stand-by le temps de finir une saison. Certainement d'ailleurs celle-ci. Et après, certainement, j'en parlerai directement sur du 2. Pas encore le 3, mais certainement sur le 2. Voilà, pour Roller Coaster Tycoon, c'est que je me suis aussi là-dessus. De planeur. Alors, avant, tu sécurises ça. Ça, c'est fait. Ensuite, tu as un 42, un 14. J'y vais. J'ai le matos en visuel. Très bien. J'y vais. Ouais, c'est pas mal ça. Quand ils arrivent à viser comme ça, être aussi propre que ça, c'est cool. Parce que vu le nombre de boulettes qu'ils ont pu me faire, certains. Là, je tente, hein, mais bon. Voilà, donc là, hop, plus 10% de précision. C'est l'avantage de ces pouvoirs. Alors, et pourquoi je fais un sniper? Déjà pour pouvoir remplacer celui-ci, celui qui est en action là, avec l'heure actuelle. Parce que là, clairement, le mec il essaie de déplacer, se mettre en position défensive parce qu'il peut pas attaquer aussitôt derrière. C'est pas cool comme unité. Bon, au moins, je fais avec, hein, j'ai pas tellement le choix. Tout de suite. C'est pour ça qu'un lieutenant serait plutôt pas mal. Je suis en route. Dommage. C'est vraiment n'importe quoi. Je confirme. Toi, tu vois rien. J'y vais. Alors, certainement qu'il est en vigilance, je ne sais pas. Ok, je bouge. A priori, non. Cible éliminée. Des Goliaths. Ennemi en vue. Je me disais aussi. Alors, comment va-t-il se placer? Toi, tu vas repositionner.
faire un plus 10 de visée. Je peux plus tirer. C'est pas grave. Il se déplace. Là j'ai la voiture, mais pas... là j'ai le bonhomme, mais j'ai pas. Là j'ai. Là j'ai les trois là. Je balance une roquette. C'est bon ça. Dommage. C'était bien vu ça. Alors toi. Bon, j'en ai un qui est mort. J'allais t'avancer là, mais là, c'est pas une bonne idée. T'as pas de grenade, toi? T'es parti avec quoi? Qu'est-ce que je t'ai mis dans les mains? J'y vais. Bien compris. Je suis occupé. J'ai plus de munitions. Encore une victoire pour nous. Voilà. Franchement. Bonne mission ça. Plutôt tranquille, on va récupérer en plus un lieutenant. Ce qui est plutôt très très bien. Très 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 bien. Et puis elle augmente au grade de colonel. Permet de tirer une roquette standard de plus par combat. Ou alors carnage, bonus de dégâts pour tous les tirs de suppression et les aptitudes de zone à effet en fonction du niveau technologique de l'arme. Et ben non, je vais être martyr plutôt en artilleur. Parce que 200, je tire beaucoup de roquettes. Autopsie du mectoïde, ouais, ça c'est bon, il y a pas mal de trucs mêlés, très bien. J'ai un sniper, hop. Nous vous recontacterons, commandant. Oh, pharaon, c'est très bien ça. Allez, c'est parti. Quelles sont tes aptitudes? Donc déjà, ça c'est obligé. Après, derrière, bah, tir éclair, hein, supprimer la section de tir et de vigilance. Ça c'est obligé. Je fais plus de vision commune, je n'ai pas envie. Le premier tir réflexe pour continuer à tirer automatiquement ou alors détecteur. Non, je vais partir là-dessus. Tiens, capacité permet au sniper de faire un tir neutralisant l'arme. Nanana, ou débusquement. Tir précis mais peu puissant qui force l'ennemi à sortir à découvert. Donc soit l'un ou l'autre. Réanimation, les médikits peuvent réanimer les soldats en état critique avec 33% de stabilité ou grande poche. Grande poche, là, c'est pas le top hein, pour un sniper ce que j'ai là. On va faire avec. Hein. Alors c'est prévu que je le modifie génétiquement, si part sur de bonnes choses, mais là pour le moment, non, on va attendre un petit peu. 3 jours, j'ai... ingénierie, installation. Putain, c'est ce que j'attends d'ici. 5 jours. Oh là là, c'est la haine. Là, c'est ce qui est un peu le problème. Hein. C'est que pour le moment, je suis obligé d'attendre pour faire des constructions. Parce que j'ai pas assez d'argent. Ok. Bon, alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais commencer la mission ici, dans... Ah oui, mais non, je voulais attendre 3-4 jours, là. De récupérer... Qui c'est que j'ai perdu? Hulk? Enfin, j'ai perdu, entre guillemets. Oh, non, on va pas attendre. Je vais attaquer directement l'attaque de la base extraterrestre. Je fais la saute dedans. Donc, il me faut... Quelqu'un de bon, il me faut aux commandes. On va prendre Shilong. Ah, Nitro est au plus haut gradé. On va prendre Shilong. Équipement. Tu prends ça, et tu vas prendre le gilet à notre. Il me faut un sniper à ses côtés. Sniper, je vais prendre donc Pharaon. Première mission. Ah, mais aussi il est blessé, c'est vrai. Hop, hop,
Toi, tu gardes ça et tu prends le scope. Il me faut des commandos. Alors, je veux Nitro ici, très très bien. Et je veux un second commando. Onxia, qui sera à côté. Onxia plutôt. Ok, il me faut donc les sapeurs. Saturne et le deuxième qui sera donc Toby Adams, la même équipe. En gros, l'équipe est identique à part le commando, enfin le, les deux du rang du milieu, les deux qui sont donc blessés dans notre équipe. Et c'est parti, on attaque direct. Non. Pas, on va pas la terminer parce que ça partait sur c'est une grosse mission celle-ci. Je vais la commencer maintenant, on va s'arrêter au bout de 5-10 minutes à peu près. Et on la finira dans le prochain épisode, bien évidemment. Vous devriez pouvoir accéder à la base des extraterrestres avec ce passe-partout. Mais attention, vous n'aurez qu'une seule chance. Ne la gâchez pas. Très bien, monsieur. Qu'est-ce que ces ordures font subir à ces gens? Raison de plus pour tous les exterminer. Au boulot. Aucun ennemi chef, en vue pour oui, le moment. Chef. Mais ce n'est pas une raison pour se relâcher. On s'attend à une forte résistance. Ils sont sûrement en train de se mettre en position. Donc je prends le couloir du milieu, hein. Vous le savez comment je fonctionne. J'ai déjà fait cette mission. Donc, on va envoyer un split ici. J'y vais. Et toi, je t'envoie dans le bouge. Les commandos, je les veux vraiment le plus loin possible devant. Ce qui serait vraiment cool, mais j'ai l'impression qu'ils sont assez loin déjà. Donc, on va les mettre à côté voilà, de ceux qui sont déjà là-haut. Le deuxième commando est donc ici. Et donc les sapeurs, on va les mettre derrière pour le moment. C'est parti. Voilà, comme ça tout le monde est placé comme il faut. Alors la première, le premier tour, on peut les faire en sprint, c'est pas tellement gênant. J'ai entendu un gros là quand même. Je confirme la position. Bon, on dirait que nous avons trouvé où ils emmènent les victimes d'enlèvement. Mais ça n'explique pas ce qu'ils veulent en faire. Ah, tu as vu quelqu'un, toi? Je ne sais même pas où, mais tu as vu quelqu'un. Je fonce. Oh, d'accord. L'ennemi respire encore. Alors, hop. Tout de suite. Tout de suite. Et il y a un sectopode là dans le coin. Alors, je ne veux pas de gros bourrin, donc on va avancer doucement. Je suis parti. Pas cool de se louper comme ça. L'ennemi respire encore. Le tir a pas fait mouche. T'as raison, explose les parois. J'y vais. Disqualifié. Ça c'est bon. Avance ici.
là. Je rejoins cette position. S'il te plaît. Cible abattue. Et comme ça, là, on est installé comme il faut. J'entends un gros quand même, il y en a un gros dedans. J'avance. Je sais pas si c'est un sectopode ou un sectoïde, un mectoïde plutôt. Je préférerais plutôt le mectoïde que le sectopode dès maintenant. Ça roule. Alors là ouais, je vais très rarement avancer en sprint. Ça roule. Vous connaissez comment je joue. Là surtout j'ai un bon sniper, j'ai pas envie de pour le moment le perdre. D'accord. J'ai même pas vu ses compétences en fait. J'y vais. Ah ça va pas être très patient que j'avance comme ça, mais pour le moment il y a une personne en plus. Derrière. Il y a du chrysalis. On l'entend en bruit de toute façon. Hein. Je bouge. Tout de suite. C'était un début de mission très calme. Mais ça fait du bien aussi quand c'est calme comme ça. Je rejoins la position. Bon, allez, là on va les placer près au niveau de la porte, tous, de toute façon. Tiens, recharge. Chargé et paré. J'ai rechargé. Bien, commandant. On peut y aller. Eux n'ont pas tiré, je pourrais les avancer un peu plus. Alors on va essayer de les caler plutôt maintenant eux en deuxième ligne. Allez, j'y vais. Les sapeurs. Hop, toi tu avances. Position ici confirmée. Et je vois qu'on est rendu à 28 minutes. Juste une seconde. C'était quoi ce bruit? Ce qui veut dire que donc je vais vous laisser ici, on va ouvrir la porte dans le prochain épisode pour vraiment continuer cette attaque, parce que là c'est pas les deux petits drones qui m'ont fait peur, c'est vraiment que dalle. Donc on se retrouve samedi dans l'épisode 12 pour la suite et fin de cette mission. Donc à salut tout le monde, salut salut.